Regardez. Aujourd'hui, ma famille et moi, on traîne encore les cigales. Jésus est diabolique. Jésus est diabolique. Depuis, il a cherché vue sur ma tête. Il a cherché vue sur mon corps. Pourtant, je suis la grande sœur à un de ses amis quand il était à Abidjan, qui, dans sa vie, a une fois donné à manger à Jésus, a une fois dépanné Jésus, a une fois donné de l'eau à Jésus. Jésus a regardé sur la toile. Quand mon frère m'a dit que Jésus, ils ont presque le même âge, hein? Mais ce sont, comme mon frère se débrouillait, il se débrouille bien, et Jésus, voilà. Sinon, mon frère n'est pas vu, moi j'ai pas 50 ans. Donc, mon frère, c'est lui qui vient juste après moi. Il a regardé la grande sœur à son ami. Et puis, il m'a caricaturé. Celui qui fait du sarcasme sur la toile. Mais je ne pouvais pas penser qu'il était derrière la page. Bonjour, William. Il y a un de mes fils qui est en ligne. William, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne regarde pas trop dans vos directions. Mon petit, voici aujourd'hui, Dieu fait que tu es là, tu es en ligne avec moi. Tu sais, de temps en temps, que je vous envoyais un peu les Western Union et tout. Ça fait un moment que je ne regarde pas. Je sais que de temps en temps, vous venez, vous me pipez, je sais que vous en avez besoin. Mais je suis tellement déçu. Mon fils, ce n'est pas contre toi. Mais je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu, pas contre vous. Dis à Romaric, ça n'a rien à voir avec vous. Je suis venu dans ma communauté. Je suis venu aussi pour travailler sur Facebook, qu'on puisse tous gagner de l'argent. Et je vais vous aider aussi. Je vous ai connu sur le méta. Je ne vous ai jamais vu physiquement. Mais je vous ai envoyé de l'argent pour vous dépanner. Mes fils, c'est comme ça que je vous appelle. Et ça fait combien de temps que je ne vous regarde plus? Pourtant, vous ne m'avez rien fait. Mais le mal que j'ai subi sur cette toile fait que je me suis renfermée. Il y a des mamans que j'aidais. J'ai payé leur congélateur pour qu'elles puissent vendre les jus. Ce n'est pas contre toi, William. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Et tu sais combien de fois, moi aussi, je tiens à vous, je vous aime. Mais j'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Ils ont attaqué mes pages. J'ai trop souffert. Ils ont attaqué ma famille. On a perdu beaucoup d'argent, mon mari et moi. Ils ont attaqué notre société. Ils ont attaqué mes contrats. On continue à travailler. Jessie. Je suis la sœur de Kimi. Kimi que tu connais. Kimi qui t'a déjà rendu service une fois. Tu m'as pris sur la toile, je t'ai rien fait. Et puis tu m'as caricaturé. Tu me mettais sur ta page pour que les gens viennent se moquer de moi. Pour que tu puisses avoir des vues. Pour que tu puisses avoir la notoriété. Tu l'as eu sur ma tête. Aussi, je ne suis pas la sœur. Mais Dieu et les ancêtres, on te le fait payer. Dieu et les ancêtres, on te le fait payer. Tu as pris la vidéo d'Abby et tu as fait exprès, tu as branché ta caméra et tu es venu manipuler la toile. Les gens sont tombés sur moi jusqu'à maudire des enfants. Mais toutes ces malédictions sont contre vous-mêmes. Parce que c'est William qui est en ligne. Je suis venu sur la toile
Les jeunes qui venaient sur ma page, je les faisais des Western Union. Je ne venais pas me vanter de ça. C'est aujourd'hui que je le dis. Je ne venais pas me vanter de ça. Combien de personnes j'ai aidées dans le secret? Aujourd'hui, si on m'avait laissé travailler, on m'avait laissé construire mes sites, on m'avait laissé progresser, c'était l'Afrique que j'allais aussi aider. J'allais gagner mon argent, certes, mais j'allais aider. Bien sûr, ma famille, mais ma famille digitale, parce que William qui est en ligne, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est mon fils digital. Jessie, donc ce que tu avais dit à la personne qui est mon ami, que tu connais, que tu allais racketter, donc c'était vrai. Tu étais derrière la page, la pafouteuse aussi. La pafouteuse, c'est parce que je suis choquée sur la partie de Jessie. Sinon, je ne sais pas ce qui se passe. Ne prends pas en mal. Quand je te dis, tu étais derrière la papoteuse aussi. Voilà, ne prends pas mal. Tu as tes raisons. C'est par rapport à Jessie que je fais ce live. Jessie. Merci, William. N'ai jamais eu affaire à la police depuis Abidjan. J'ai travaillé dans la nuit, j'ai travaillé en zone 4. Je n'ai jamais eu de problème à la police. Jamais. Je fume pas, je me drogue pas, je suis pas alcoolique. En fait, j'ai toujours eu une vie rangée. J'aime ma famille, j'aime l'être humain. Même jusqu'à mes copines. Il y a mes copines même, j'ai payé même école de leurs enfants. Pas la totalité, mais j'ai participé. Quand je pouvais participer. Quand je suis arrivée sur Mita, c'est ce que je continue aussi à faire. Quand je vois des jeunes. William, quand je lui ai demandé, puis il m'a dit, il fait son BTS. Moi, j'aime les enfants qui vont à l'école. J'ai dit, waouh, j'aime ça. Je vais t'aider. De temps en temps, un petit. C'est le petit de Romaric. C'est Romaric que je connais. Et puis, je connais William. Mon fils, tu es venu sur mon live. Ce n'est pas. C'est. On va dire. C'est un hasard. Je suis en live. Je finis dans 5 minutes. Mais si aujourd'hui tu n'as plus trop de nouvelles de ta maman digitale que je suis, c'est pas contre toi. Je vais revenir. Donnez-moi un peu de temps. Donnez-moi un peu de temps que je me relève. Je vais revenir. Dis à Romaric que je vous vois. Vous êtes mes personnes. Je vais revenir, ne vous en faites pas. Je vais revenir. Donne-moi le temps. Je vais me relever un peu. Dieu sait. Les ancêtres savent. Les vraies victimes de la toile. Les vraies victimes de la toile. En tout cas, je suis parmi les vraies victimes de la toile. Mais tellement on a voulu camoufler, ce sont mes réponses-là que vous avez rendues virales. William, je ne sais même pas si on peut appeler ça la jalousie. Parce que aller détruire
chercher à détruire quelqu'un comme ça, jusqu'à le faire vraiment. On s'est retrouvé à la police judiciaire, mon mari et moi, parce qu'ils ont menti sur nous, que mon mari et moi, on violait nos enfants. Par sécurité, ils ont alerté plusieurs polices de France que nous étions des parents dangereux. Il fallait qu'on nous recherche. On devait m'arrêter, je devais être mise en détention provisoire le temps des enquêtes, je vous assure. Quand je vous dis qu'on revient de loin, ce n'est pas de l'amusement. Police judiciaire. Je vous dis ça ce soir, je sais. Qu'on s'est retrouvé, je me suis retrouvé, pas dit qu'on s'est retrouvé. Je me suis retrouvé à la police judiciaire parce qu'ils ont alerté toute la France que j'étais une personne dangereuse à arrêter. Dans la réponse de Abby qui dit que moi je fais ça, mon mari et moi, à nos enfants, ils mentaient. Là, les histoires de clash. Donc moi, je n'aurais pas dû répondre comme ça. En dérision, je lui ai dit, ce n'est pas à nous qu'on fait ça. C'est à ton déni. Au fait, je n'aurais pas dû répondre comme ça. Mais dans la vidéo, quand tu ne connais pas le début, que la vidéo sort du contexte, tu vas dire, mais la femme là, ah, voilà ce qu'elle dit qu'elle fait aux enfants. Et c'est comme ça que ça m'a causé tort. Donc, les policiers ne savaient pas que c'était, je répondais à un clash. Donc, eux, ils ont vendu ça aux policiers que voilà, elle avoue. Pourtant, non, je répondais à Abby. Les policiers qui ne savaient pas que je répondais à quelqu'un, ils l'ont pris au premier degré. Et on dit, madame, c'est vous sur cette vidéo? J'ai dit oui. Ils ont dit, vous risquez 5 ans de prison. Ma belle famille. Mon mari était en déplacement. La nuit, il est rentré. Il n'était pas à Marseille, hein. Il est rentré. Oh, il a dit, mais mettez-vous à la place de mon mari. Tu te dis, sa femme va être arrêtée. On l'amène en détention provisoire, le temps des enquêtes. Mes enfants, que j'étais un parent dangereux. Donc, du coup, il fallait éloigner mes enfants. Il y a eu 4 policiers pour pouvoir éloigner les enfants de nous dans l'école de mon enfant. Quand vous êtes sur la tombe, elle a encore sur cette affaire, ce n'est pas vous, votre vie. Ce n'est pas vous qui avez vécu ça. Je n'ai jamais eu affaire à la police de ma vie. Et je me retrouve à la police judiciaire où on me dit que j'ai 5 ans de prison. Ce n'est pas votre vie. Vous qui dites. Oh, ce n'est pas votre vie. Tu as fait ta vie juste quand tu arrives en France parce que tu es venu faire Facebook. On vient mettre un gros mensonge sur toi, les écalandais, avec les astisés. Ce sont eux qui ont fait ça. Ils ont alerté les polices. Effectivement, dans la vidéo, je répondais. Donc, mes propos étaient considérés comme vrais. Va dire que tu es en train de faire palabre. C'est palabre que tu es en train de dire. Vous connaissez les vidéos amènent les gens en prison. Puis tu es en prison. Les vidéos amènent les gens en prison. J'ai dit que j'ai eu le choc. Mon mari, le temps d'arriver, il n'était pas à Marseille. Il était en déplacement très loin. Ça devait mettre le temps du vol pour atterrir à Marseille. Ma belle-mère, ma belle-famille, automatiquement, ils ont appelé les avocats. Moi, femme noire, dans un pays, si je ne les avais pas, depuis quand avocat peut venir immédiatement, mais c'est parce que eux, ils ont tapé haut, fort. Sinon, j'allais à la prison de Marseille. Et puis vous allez fêter sur Facebook. Wow, elle est en prison parce que c'est ce que vous, les écalandais, vous avez sauté. Mais votre karma, là, ça ne fait que commencer. Je vous assure, j'étais tellement choquée.
que j'ai eu une crise. Il y a eu une crise où je reviens de loin. J'étais tellement choquée. On me dit 5 ans de prison. On me dit détention. Je suis tombée. Il était tellement sous le choc. En fait, je ne croyais pas. Et puis, on me dit, c'est vous sur la vidéo? J'ai dit, oui. Ce sont les Écalandais qui ont envoyé les vidéos là aux polices de France. Les pompiers sont venus me chercher. L'ambulance ou les pompiers, en tout cas, ils sont venus me chercher. Ils m'ont envoyé, j'ai les papiers. Hein. À l'hôpital Saint-Joseph de Marseille. C'est là-bas qu'on m'a envoyé. J'étais couchée dans l'ambulance là. Et puis, il y avait les policiers dans l'ambulance. Je vous dis ça aujourd'hui. Et puis, dans les yeux fermés, il y a une femme policière, si on peut dire ça ainsi, oui. En tout cas, on va dire au masculin, c'est plus joli, policier. Elle demande, qu'est-ce qu'elle a fait la dame? Et puis j'entends son collègue dire, viol sur mineur. Oh! Ah bon? Oui. La vidéo circule sur Facebook, tu as raison. Viol sur mineur. Wow. C'est-à-dire que moi, une mère poule, une mère aimante, ils sont en train de parler de moi dans l'ambulance. Et puis j'attends sa chuchote. Viol sur mineur. Il dit, il risque. Et puis, l'ambulance est rentrée à l'hôpital Saint-Joseph. Ils m'ont mis, je suis brancard, puis ils m'ont mis dans une chambre. Et comme l'affaire n'est pas terminée, on les avait convoqués aux policiers. Je disais, le temps que mon mari arrive, le temps, ceci, cela. Malaise qu'il y avait là. Peut-être qu'il avait fui. Comme dans les films. Pour ne peut-être pas que je puisse me lever pour fuir, ouais, j'en sais rien. Devant chambre d'hôpital, comme dans les films. Deux policiers, je vous jure. Comme dans les films. Je suis couché et puis je me suis relevé ma tête. Puis j'ai vu deux policiers devant, je vous le jure, devant la porte à l'hôpital. Deux policiers à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille. J'ai les papiers de l'hospitalisation. Donc le temps. Normalement, on dit, elle sort de l'hôpital là, c'est la police qui vient la chercher, comment on appelle ça, détention provisoire ou garde à vous, ou bien je n'en sais rien. Mais détention provisoire. Et détention provisoire, ça peut prendre des mois, peut-être même des années. Le temps des enquêtes. Mais, quand tu as la chance dans ton malheur et que tu as une famille qui peut t'aider, les deux avocats, on est en France, ceux qui sont en France savent qu'on ne peut pas prendre deux avocats comme ça qui peuvent être disponibles à la minute. C'est de l'argent, ça coûte très très cher. Donc il faut, donc c'est que la famille la t'aime, sinon moi, c'est moi seule africaine, il y a longtemps, parce qu'ils allaient même croire même, que déjà même, je ne suis pas seule, au début ils ont cru. Mais c'est les avocats qui vont venir dire que je répondais à un clash avec les preuves. Sinon, qui était en prison le temps des enquêtes. Parce qu'après, le procès a eu lieu le 22 février. Et c'était début septembre qu'il y a eu le problème. Donc, de septembre jusqu'au 22 février, j'étais en maison d'arrêt. J'allais être touche de quoi en maison d'arrêt. Il dit, donc couché comme ça, deux policiers. Il dit, font quoi là? Deux policiers. Dans ma maladie, je suis tombé là. Deux policiers. Il dit, ma belle famille, ils ont remué ciel et terre. Donc le temps, le même soir, vous vous rappelez de la vidéo de As Diesel qui a caricaturé mon enfant, puis vient montrer mon enfant pour dire l'école, les vidéos là. Pendant ce temps, malheur pour lui, il s'est connecté. Elle est où? En tout cas, ce qu'il disait,
signalé, parce qu'ils ne savaient pas que les policiers avaient déjà, déjà même reçu leur signalement. Donc, eux, ils voulaient même encore exagérer. Oh, ma soeur Inès Beauty, merci d'être là. Signalé. Inès, faut reprendre le live, s'il te plaît. Après, si tu viens d'arriver. Zita, bonjour. Signalé. Donc, ils se connaissent pour venir encore me massacrer, caricaturer mon enfant, puis jusqu'à redonner l'adresse de l'école de mon enfant. Donc, quand il s'est connecté, ma fille est en ligne ici. Et Willy sont mes frères, ma famille mobilisée, mes deux familles, Afrique et France. Et ils ont envoyé les vidéos pour qu'ils viennent de se connecter. Ils ont déposé le live à la police judiciaire et les policiers le regardaient en même temps. C'est à ce moment qu'ils vont comprendre que dans la communauté africaine, tout notre nom est là-bas, hein. Ce n'est pas moi qui ai amené, ce sont les Calandais qui font que actuellement là, ils ont les yeux sur nous. Ce n'est pas moi. Donc, il regardait le gars. Il comme un fou furieux. Donc, dans mon malheur, tellement ils ont voulu m'enterrer, c'était en direct de la police judiciaire. Donc, ils ont dit, comme j'ai quand même fait la vidéo, je vais répondre à la salle vidéo, mais ils ont compris avec par ma défense d'avocat que je répondais à un clash. Mais mon mari, la famille, nous tous, on doit porter plainte. Et puis, Abby est sorti. Donc, du coup, moi, quand ils m'ont fait les piqûres et tout, je pouvais rentrer chez moi. Mais je rentrais chez moi sous surveillance. Je vous ai dit qu'on a porté plainte, mais je ne pouvais rien faire parce qu'il y avait 6 mois de 22 juillet. Donc, on a eu, quand je suis sortie de là début septembre, on a eu 3 mois de surveillance, d'enquête pour les services sociaux parce qu'on a été signalé par la même bande aux services sociaux. Mes enfants, Héloïse, Wiki, je vous dis que on revient de loin. Ils ont envoyé des vidéos à ma belle famille, au travail. Même mon propre travail. J'avais même perdu mon propre travail. Parce que jusqu'au tout le monde, ils ont envoyé dans mon travail partout. Que moi, j'ai vu all les enfants. Avec mon mari associé. Donc, mon mari, eux-mêmes, leur propre société, les employés. Et dit, j'ai tous les documents des médecins. J'ai tous mes documents. Allez voir les médecins pour ne pas que ça me chamboule.